Ma pomme, ma pomme, vite! Mais où est-elle passée? Ah, voilà les livreurs. Lucie! Papa m'a envoyé une caisse de Paris. J'espère que c'est une poupée de cirque, il m'en a promis une. Doucement, doucement, Sophie, laissez-moi faire. Oh, qu'elle est belle, mais qu'elle est belle! Ne tirez pas, vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Casse-les, arrache-les, vite, Lucie, que j'ai ma poupée. Ah! Ta-ta-la-la-la-la. Oh, comme je suis heureuse! Elle a même son bagage, que c'est mignon. C'est trop joli, et ses vêtements. Il faut que mon cousin voit ça. Paul, Paul. Qu'est-ce qui se passe? Regarde la jolie poupée que mon papa m'a envoyée. Donne-la moi que je la vois mieux. Juste une minute alors. Qu'est-ce que tu as? Cette poupée n'est pas solide. J'ai peur que tu ne la casses. Oh, sois tranquille, je vais bien la soigner, elle restera comme neuve. Mais oui. Je t'interdis de rire. En fait, tu es jaloux parce que ton papa ne t'a pas envoyé comme à moi un joli cadeau. C'est vrai. Mon père ne pense jamais à ce genre de choses. Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine pour leur faire voir ma jolie poupée. C'est inutile. Oh maman, s'il vous plaît. Regardez, avez-vous déjà vu une aussi belle poupée? Je voudrais tant la montrer à mes amis, maman chérie. C'est inutile. Elles sont déjà invitées pour le goûter. Ah! Vive maman, de baiser je la mange. Vive maman, elle est notre bon ange. Tu n'as pas peur que Camille et Madeleine cassent ta belle poupée? Oh non, elles sont trop sages pour ça. Le risque est plutôt du côté de notre Sophie. N'est-ce pas, Paul? Jamais je ne ferai de mal à ma poupée. Je l'aime trop. Elle est en cire, ne l'oublie pas. Comme les bougies. Or, la cire se casse. Oh non, maman, il n'y a pas de danger. Elle est dure comme du bois. Et ça, la solidité même. Mais dès qu'on l'allume, ça fond. Pas ma poupée. Attention, je viens de coucher ma fille. Et alors? Tu l'empêches de dormir en remuant comme ça? Pas du tout, je la berce. Dors ma toute douce, dors mon petit ange, ferme tes jolis yeux, dors mon petit ange. Tu te répètes? Oh mais tu m'embêtes, c'est de ta faute, arrête d'avoir la bougeotte. Je n'y peux rien, moi mes jambes bougent malgré moi. Eh bien, je vais les attacher avec une ficelle. Essaye, tu verras ce que ça fait faire mes pieds qui sont au bout de mes jambes. Tu me donnerais des coups de pied, méchant? Certainement si tu me donnes des coups de poing. Oh, ma tête! Ma poupée! Tu vas voir! Tiens! Aïe, arrête! Elle n'a rien, ta poupée! Je sais que tu es là. Pauvre Paul, j'étais méchante, je lui ai fait mal. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne vais quand même pas lui demander pardon. On t'a laissée toute seule, ma pauvre chérie. Et voilà que tu as froid maintenant, tes pieds sont glacés. Je vais te mettre au soleil, parce que je suis une bonne maman, moi. Comment Paul me pardonnera-t-il si je ne lui demande pas pardon? Tu n'es pas une bougie, tu ne fonds pas, toi. Ils me prennent vraiment pour une bécasse. Une poupée, ce n'est pas une bougie. On ne s'éclaire pas avec. Je suis pas idiote, tiens. S'éclairer avec une poupée, quelle farce! Paul, pardonne-moi. Oh non, c'est ennuyeux de dire ça. Paul, pardonne-moi, viens jouer.
Je t'assure que je ne recommencerai plus. Tu n'es plus en colère? Bien vrai? Non, je suis triste d'avoir été si méchante. C'est moi qui t'ai fait ça? Laisse, ça va, j'ai plus mal. Si, je sais que ça te fait mal. Mon pauvre Paul. Je vais te soigner, tu vas voir. Il suffit de laver et on n'y verra plus rien. Pardon, pardon, pardon. Oh là là, maman va me punir, c'est sûr. Je pourrais dire que je suis tombée dans les épines, mais ça serait un mensonge. Elle va m'interdire de voir mes amis. Ou peut-être me reprendre ma poupée. Non, pas ta poupée. Encore plus, à cause de moi, pour que je ne sois pas punie. Oh, Paul. Non, si j'y vais, maman soupçonnera la vérité. Il vaut mieux que je reste ici. Monsieur Paul! Comme vous vous êtes mis, un bon garçon comme vous. Qu'est-ce qui vous a pris? Venez donc que je baigne votre pauvre visage. Et vos amis qui vont arriver. Madeleine, j'avais oublié. Ah, bonjour. Bonjour, ma chère. En voilà une façon d'accueillir tes invités, Sophie. Avec un tablier taché, toute décoiffée. J'ai donné à boire à ma poupée, maman. Oh, Paul, mon Dieu. Où t'es-tu arrangée comme ça? On dirait que tu t'es roulée dans les épines. Précisément, ma tante. Je suis tombée en courant dans un buisson de houx. Ça m'étonne de toi, Paul. Tu es plus raisonnable que ça, d'habitude. Mon pauvre Paul, comme tu dois souffrir. Non. Non, très peu, Camille. Je te promets. Demain, ça sera passé. Eh bien, ma chère, j'ai été bien inspirée d'apporter ces fruits confits. Je ne connais pas de meilleur remède. Des fruits confits? Demande à maman d'ouvrir le paquet. Je n'ose pas. Mais si, elle ne pourra pas refuser, puisque c'est vous qui les avez apportés. Justement, ça ne se fait pas. Je t'ai entendue, Sophie. Et tu sais que je n'aime pas te voir impatiente. Que va penser Madame de Fleurville? Que tu n'es pas assez nourrie? Tout simplement que notre Sophie est gourmande, comme tous les enfants. Sophie, je croyais que tu avais hâte de montrer à tes amis ta nouvelle poupée. La vue des friandises t'aurait-elle fait perdre la mémoire? Une poupée? Oh oui, Sophie, emmène-nous vite voir ta poupée. Venez, jamais vous n'en avez vu d'aussi belle. Elle est aveugle. Elle n'a plus d'yeux. Quel dommage. Comme elle est jolie. Heureusement que les jambes et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Maman m'avait prévenue. Et toi aussi, Paul. Mais je n'ai pas voulu vous écouter. Et maintenant, tu vas te faire gronder? Ce sont les yeux qu'on entend. La cire a fondu autour et ils sont tout mous. On peut peut-être les ravoir alors. Oui, apportons la poupée à maman. Elle va la réparer. Je voudrais être ce matin. Je me réveillerai et je ferai tout autrement. Tout, depuis le début. Pourquoi ne peut-on jamais revenir en arrière? Regardez, il suffirait de découdre le corps et d'aller récupérer les yeux au fond de la tête avec une petite pince. Non, elle a assez souffert. Je ne veux pas qu'on la tourmente encore. Mais c'est pour la réparer, Sophie. On ne répare jamais rien. Est-ce que Paul s'est réparé en se jetant dans le houx? Non, il s'est fait saigner deux fois plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Paul, je te parle. Tu n'es pas tombé accidentellement? Je l'ai griffé et il s'est roulé dans les épines pour m'éviter d'être grondée. Je suis méchant, méchant, méchant.
Ne dis pas cela, c'est toi qui souffres le plus. Sophie, je te pardonne parce que pour une fois, tu as fait preuve de franchise. Merci, maman. Merci, ma tante. Quant à cette demoiselle, je pense pouvoir l'opérer sans qu'elle ne sente rien. Il faut juste attendre que la cire durcisse à nouveau. Allez donc jouer au jardin. Nous vous appellerons lorsque nous aurons terminé. Une minute. Voilà une bonne idée, n'est-ce pas, Sophie? J'y ai droit, moi aussi? S'il vous plaît, ma tante. C'est bon. Prenez-en deux chacun. Coucou les enfants. Maman, pourquoi veux-tu construire un bassin, Paul? C'est une idée de Sophie. Ça nous évitera de porter l'arrosoir sur des mètres et des mètres. L'ennui avec les fleurs, c'est qu'elles ont toujours soif. Avec Madeleine, nous avons planté des framboisiers dans notre petit jardin. C'est bon, et ça demande moins de soins. Ma tante ne veut pas qu'on cultive nos propres fruits. Sophie mangerait tout, elle est si gourmande. Quel parfum as-tu choisi? Comment? Les fruits confits. Moi, j'ai pris une poire et un abricot. Moi, j'ai choisi Angélique et Cédra. Ce sont mes parfums préférés. Angélique et Cédra? Ça doit être délicieux. Je n'en ai jamais goûté. Mais votre bassin ne se remplira jamais. La terre boira toute l'eau et vous n'aurez plus rien pour arroser vos fleurs. C'est un peu dur, non? L'angélique a croqué. Et le cédra, ce n'est pas un peu amer? Sophie, Camille a raison. Il va falloir construire un fond à notre bassin. La prune avait l'air si tendre. J'aurais dû la choisir au lieu de l'abricot. Moi, ça ne m'amuse pas de travailler pour rien. Regarde. Tu as vu, Sophie? Il faut trouver un moyen de retenir l'eau. Oh, la barbe avec ton bassin! Regarde, tu m'as fait salir. Oh, c'est froid. Il faut que je rentre changer de bas et de souliers à présent. Merci, vraiment. Je croyais que c'était son idée. Maman va peut-être en donner après le goûter, mais je n'aurai pas le temps de bien choisir. Je vais juste regarder pour ne pas me tromper tout à l'heure. Que je suis bête, je n'ai qu'à monter sur un fauteuil. Vite! On pourrait croire que je les vole alors que je ne fais que les regarder. Mais comment choisir? Ils ont tous l'air si bons. Peut-être qu'en goûtant juste un petit morceau de chaque, je saurai lesquels sont les meilleurs. La prune d'abord. L'angélique. Difficile de décider. Je vais recommencer. Juste un petit peu, ça ne se verra pas. Sophie a toujours de bonnes idées, mais ça ne l'intéresse pas longtemps. Elle est plus jeune que nous, c'est pour ça. Elle n'a qu'un an de moins que moi. Oui, mais toi, tu as une sœur aînée. Ça te rend raisonnable. Mais Sophie, elle, a Paul, qui est comme son frère. Il passe plus de temps ici qu'avec ses parents. Il lui en faut du temps pour changer de bas. Et voilà ma tante qui revient. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on obéit toujours à Sophie alors qu'elle n'a même pas l'âge de raison. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait? Maman devinera que c'est moi. Je vais encore être grondée. À moins que... Mais oui, je dirais que ce sont les souris. Non, plutôt un rat. Vu tout ce que j'ai mangé... Oui, un gros vilain rat. Un gros vilain rat tout noir. Je suis bien maligne. Comme c'est ingénieux. Paul a raison. Il faudra que les maçons construisent un fond. Non, maman, j'ai une autre idée. On va mettre un baquet dans le trou, avec quelques pierres au fond pour qu'il ne verse pas. Et on laissera se remplir de pluie. C'est ça, mademoiselle l'ingénieure. En attendant, rentrons au château nous occuper de cette poupée. Romo m'appelle. Mais elle est toute poisseuse. Qu'as-tu mis dessus? Rien. Quel drôle d'air tu as. On dirait que tu as fait quelque chose de mal. Moi? Tu as toujours des idées ridicules.
Ça, tu sais, c'est de me regarder, c'est agaçant à la fin. Et voilà. Mais n'aie pas peur, Madeleine, c'est bientôt fini. Prends exemple sur Sophie. Ça ne l'émeut pas et pourtant il s'agit de sa poupée. Je ne crois pas Sophie insensible. Elle prend sur elle et c'est courageux. Paul, allume la bougie et apporte-la-moi, je te prie. Attendons une minute que la scie refroidisse. Il est vrai, cher ami, que ma fille ne manque ni de courage ni d'énergie. Mais elle est trop exubérante et il n'est pas facile de lui faire entendre raison. Voilà. Il suffit de recoudre à présent. Voyons, avons-nous du fil rose? Celui-ci? Non, il casse trop facilement. J'en ai du plus solide dans l'antichambre. Laissez-moi vous en chercher, maman. Non. Je n'aime pas que l'on fouille dans ma boîte à ouvrage. Je ne fouillerai pas. Tu voulais chercher des pierres pour ton bassin, Sophie? Oui, et on tassera la terre sur les côtés. Venez vite. Oh! Tu ferais mieux d'avouer ta bêtise, Sophie. Quelle bêtise? Mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi voudrais-tu toujours que je fasse des bêtises? J'en ai assez à la fin. Moins fort! Oh là là, je sens que je vais avoir mal au cœur. D'abord, Paul nous a fait tout écorcher. Ensuite, ta mère joue au chirurgien. Je vais faire des cauchemars. Et tu ne seras pas la seule. Avoir mal au cœur ou à faire des cauchemars? Les deux. Je connais quelqu'un qui doit avoir l'estomac et la conscience bien lourds. Mais on n'a pas encore goûté? Ça dépend qui. Arrêtez! Je vous remercie beaucoup de votre aide, chère amie. Vraiment, je ne sais plus quoi faire avec cet enfant. Tous les enfants sont gourmands. Elle ne sait pas se retenir. Regardez comme elle a arrangé ce pauvre Paul. Et puis cette manie de dissimuler ses fautes. Non, vraiment, cette fois, je dois sévir. Il est vrai que cette petite est impulsive, mais elle regrette sincèrement ses mauvaises actions. Jusqu'à la suivante. Comment reprocher à un enfant sa trop grande vitalité? Sophie, tu avais faim peut-être. Maman, pardonnez-moi, je voulais juste choisir à l'avance pour ne pas me tromper ce soir et puis, à force de regarder, je ne me suis pas rendu compte. C'était plus fort que moi. Tu pensais peut-être que je ne m'en apercevrais pas. J'aurais dit que c'était un rat, un gros rat, vilain, noir. Quelle imagination. Sauf que les rats ne déplacent pas les fauteuils et n'ouvrent pas les boîtes. Montez dans votre chambre, mademoiselle, ou vous resterez consignée jusqu'à demain. Je peux prendre ma poupée? Soit. Mais sachez que c'est la dernière fois que je la répare. Tiens. Merci. Mais pourquoi faire une réserve d'eau? Vous n'aviez qu'à demander une charrette à Anne pour transporter vos arrosoirs? Oui, depuis que maman nous en a offert une, nous jardinons deux fois mieux. Paul, tu écoutes? Pauvre Sophie, elle s'est encore fait gronder. Avoue qu'elle le cherche un peu. Elle ne pense pas à mal, mais on dirait qu'elle fait exprès d'irriter ma tante contre elle. Madame de Réan est un peu sévère, mais c'est pour son bien. Elle est beaucoup plus indulgente avec moi. Peut-être parce que je suis que son neveu. Les parents sont toujours plus exigeants avec leurs propres enfants. Pas tous. Mes parents se préoccupent pas beaucoup de mon éducation. Parce qu'ils savent que ta tante et ton oncle s'occupent bien de toi. C'est vrai. J'ai de la chance d'avoir une tante et une cousine. Mais mon oncle n'est pas souvent là. Son travail au chemin de fer le retient souvent à Paris. Elle exagère quand même, Sophie. Si mon papa était encore vivant, je serais tellement heureuse que je serais gentille avec tout le monde. Madeleine! Voyons, mademoiselle Sophie, comment pouvez-vous être triste avec une belle poupée comme ça? Ma Lucie, comme je t'aime, tu es si douce. Quand vous étiez toute petite petite, il vous fallait toujours un câlin avant de vous endormir. Un gros câlin comme ça.
Moi, j'aime beaucoup les câlins. Regarde, on voit la réparation, là. C'est un peu plus clair autour des yeux. Et puis, le fil n'est pas tout à fait de la couleur du corps. Mais je l'aime. Peut-être encore plus qu'avant. Elle a été si courageuse pendant que maman l'opérait. Mais je suis si triste. Allons. Vous n'allez pas pleurer pour des fruits confits. Une fois qu'on les a mangés, c'est fini. Il n'en reste rien. Tandis que votre poupée... Oh, Lucie, j'avais enfin trouvé. C'était l'abricot le meilleur. Encore plus que la prune et l'angélique. J'avais eu du mal à choisir parce qu'il fallait se souvenir du goût des autres. Mais vraiment, l'abricot, c'était le plus sucré. Quel dommage que nous ne puissions pas dire au revoir à Sophie. Allons, vous vous reverrez bientôt. J'y pense. La poupée n'est pas punie, elle. C'est vrai. Et comme assistante chirurgien, je prendrai volontiers de ses nouvelles. Oui, et moi aussi. À présent qu'elle est réparée. Paul, va chercher ces demoiselles, puisque tout le monde les réclame. J'y cours, ma tante. Alors c'est entendu. Vous venez goûter jeudi. Paul sera toujours là? Oh oui. Ses parents savent qu'il est mieux avec moi que dans leurs jambes. Pourquoi? Ils ne l'aiment pas? Si, si, bien sûr, mais ils ont leurs affaires, leurs amis, ils sont très occupés. Et quand on a la chance d'avoir une cousine du même âge? S'ils pouvaient améliorer le caractère de notre Sophie. Lâche-moi!